Catéchisme de Saint Pie X, page 94, première partie, le symbole des apôtres, appelé communément le credo. Chapitre 1er, le credo en général. Quelle est la première partie de la doctrine chrétienne? La première partie de la doctrine chrétienne est le symbole des apôtres, appelé communément le credo. Pourquoi appelez-vous le credo symbole des apôtres? Le credo est appelé symbole des apôtres parce qu'il est un abrégé des vérités de la foi enseignées par les apôtres. Combien y a-t-il d'articles dans le credo? Il y a dans le credo 12 articles. Récitez-les. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle, ainsi soit-il. Que veut dire le mot credo « je crois » que vous dites au commencement du symbole? Le mot credo « je crois » veut dire « je tiens pour absolument vrai tout ce qui est contenu dans ces 12 articles et je le crois plus fermement que si je le voyais de mes yeux, parce que Dieu, qui ne peut ni se tromper, ni tromper personne, a révélé ses vérités à la Sainte Église catholique, et par elle, nous les révèle à nous-mêmes. Que contiennent les articles du credo? Les articles du credo contiennent les principales choses que nous devons croire sur Dieu, sur Jésus-Christ, et sur l'Église, son épouse. Est-il bien utile de réciter souvent le credo? Il est très utile de réciter souvent le credo pour imprimer toujours davantage dans notre cœur les vérités de la foi. Fin de du chapitre 1er, la suite sera le chapitre 2 sur le premier article du symbole. Je renonce à mon droit d'auteur et je place ce fichier dans le domaine public.